Mais non, c'est trop tard. Allez, tu me le fais bien là, allez. Après, on peut faire les deux. Allez, tu me le fais bien. Salut, Wikit. Vas-y, vas-y, t'inquiète pas. Allez, vas-y. Allez, tu me le fais bien. Je supporte pas. Mais si, t'inquiète pas. Regarde, tu passes bien l'écran et tout. Non, regarde, je suis en train de dire. Non, oui, il est bon, il est bon. Là, t'as vu ça? Je suis en train de les motiver là, les gars. Sérieux. Mais non, mais tu sais bien que t'es le meilleur. Oui, oui, vas-y. En soi, c'est le les gars. Vas-y, vas-y. Allez, je t'assiste, moi je vais y aller. Bon allez, on va te parler fringues de boulot là, d'accord? Les petits détails qui tuent pour faire le bon choix de fringues de boulot. C'est bon, on est décidé. Salut, salut Pascal, bonjour, moi c'est Eric, voilà, je dirige Black Adder France. Là, faut dire bonjour à tous les takayakistes. Salut les takayakistes, voilà. Moi c'est Eric. Donc voilà. Chez Black Adder, on fait des vêtements de travail depuis 1959. Voilà, Black Adder, regarde, tu vois la marque marquée au fond. Voilà, bravo. Quand même, c'est 59. Depuis 1959, ouais, tout à fait. T'étais au début de l'entreprise, non? Ça se voit. Bah, j'ai profité qu'il ne dira rien. Donc là, en France, on est là depuis 2008 et on équipe tous les professionnels du bâtiment. Ok, alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il m'a décrit, ton collègue, plein de détails techniques auxquels on ne pense pas quand on achète un pantalon pour bosser. Le fameux sourire du plaquiste, où mes abonnés sont totalement habitués avec moi, donc peut-être que tu vas me sauver. Donc il m'expliquait qu'il y a une taille différente derrière, de devant, pour que on voit plus le voilà. Garage à vélo. Quand tu te baisses, ça fait ça. Monte ta caméra. Oui, non, mais oui. Ouais. Parti, voilà. Tu veux comparer ton fessier au mien, c'est ça? Voilà, ok. Donc vas-y, explique-moi tous les détails techniques. Alors les détails techniques, effectivement, c'est que l'arrière est plus haut que l'avant, comme ça quand tu te baisses, on voit pas la marque de ton caleçon. Ouais. Ensuite, tu as des poches flottantes qui sont à la bonne taille, coupées en biais avec un soufflet dans lequel tu vas pouvoir mettre un maximum d'outils et tu auras tout dans les poches sans avoir les poches dans le pantalon. Coupé en biais pour une bonne raison? Oui, parce que quand ton clou va dans le coin, ouais, ou ta vis va dans le coin, ce qui va se passer, c'est qu'elle va tomber tout bêtement au fond de la poche et cette poche-là, tu vois, elle est doublée en tissu. Puisque tu vois, la fermeture se fait là, tu as un fond en tissu pour pas que ça perce. Le petit détail technique, okay. Voilà. Il m'a parlé des hanches qui étaient plus larges derrière par rapport à quand il y a du poids à l'avant. Tout à fait, tu vas charger ton pantalon, tu vas le trouver lourd. Alors il y a deux choses. La première, c'est que tu as les passants très larges pour éviter que ça passe comme ça. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que tu vas avoir une taille qui est plus serrée que les hanches, avec un système de trapèze ici. Ah, y a, à l'intérieur, il y a un système de... Non, il est là, tu vois, regarde. Ah, et la couture. Comme ça, là, tu vois, c'est pour que ça. C'est pour que ça porte bien, voilà. Et que du coup, ça maintienne aussi de l'aisance aussi à l'intérieur. Ok. Voilà. Ok. Non, mais c'est des trucs qu'on pense pas quand on achète des fringues pour le boulot, quoi. Tout à fait. Ok. Et pas autre chose, tes clients? Alors, il m'a dit qu'il y avait. Non, c'est mes clients, c'est mes kids. C'est mes potes. Donc, en fait, il m'a dit qu'il y avait une taille. Ouais. Avec trois longueurs de jambes différentes. Tout à fait. Ce qui fait que, selon comment on est foutu, on peut prendre la bonne taille, mais même si on est grand ou petit et qu'on a la même taille, on peut avoir une longueur adaptée pour éviter d'avoir à refouler tous les bas qui galèrent, quoi. Exactement. Et non seulement ça, mais en plus, quand toi tu vas arriver les mains chargées et que tu vas devoir te mettre à genoux sur tes genouillères, le mieux c'est que tu tombes pas sur tes tibias. Parce que ta genouillère elle tombe pas sur tes tibias, mais qu'elle tombe sur tes genoux. Donc en fait, c'est adapté par rapport à la demi-jambe. Comme ça, on est sûr que même si on a pris plus long, qu'on l'a rabattu, ça nous sauve pas les genoux si finalement le pantalon est trop long. C'est exactement ça. Ok, j'ai tout compris. Est-ce qu'il y a une autre spécificité sur le pantalon auquel nous on n'a pas pensé? Les coutures. Est-ce qu'elles sont garanties à vie? Ah oui, garantie à vie. Tout à fait. Et parce que moi, je vois quelqu'un qui a. Il y a trois coutures partout. Tout à fait. Garantie à vie, même sur moi, tu sais, moi j'y vais. Hein. Tout à fait. Je tire dessus, je bouge, ça déchire tout le temps au milieu. T'as envie qu'on tire un coup? Tu me le proposes si gentiment. Il a tout compris. Ok. Non, c'est pas mal. Donc quoi. Là, ce que tu vas faire tout à l'heure, tu vas pouvoir te montrer là-dessus, suspendu au. Pantalon. Tu veux m'accrocher par le pantalon. Donc tu vas t'accrocher au pantalon comme ça pendant une minute et tu vas voir ce qui va lâcher en premier, si c'est toi, si c'est le pantalon. Bah, je dirais pas une minute hein, parce que moi j'aurais craqué avant, surtout que j'ai fait un petit peu de muscu, tu vois, il y a deux jours, j'ai trop mal au bras. Et justement, moi j'en ai marre des mecs qui me mettent la honte à la salle de muscu. Tu vas le faire. Ouais, non mais je fais pas une minute. Hein. Je te dis, j'ai les bras en compote. Hein. Ah, j'ai trop mal au droit. Vas-y, vas-y, allez, souris, souris, allez. Et je vais faire tomber le truc, moi. Moi, ça suffira pour moi. J'ai plus de bras, je suis cassé, là, je te dis. En plus, ils ont droit à mon beat sur moi en direct. Hein, comme ça le fait. Bon, allez, sur ce, Liti. Validé.
Allez, on leur fait confiance. Hein. Et il y a d'autres spécificités, là, parce que je vois qu'il y a des poches là, plus encore des poches dedans. Alors là, tu vas voir à la base. La fermeture éclair, franchement, le truc qui pète tout le temps, là, ça tient choc aussi. Tout à fait, c'est fait pour, d'accord. Tu sais comment on est, nous. Comme ça, tu veux dire. Ouais, voilà, c'est le bouton, moi, il pète tout le temps, quoi, là. Là, c'est... Okay. Alors là, tu vois, t'as une double plaque ici. Ok. Ouais. Bon. Donc, ils n'auront pas de prêt, mais... Voilà. Ouais, ok, c'est bon, t'as fait le test en direct comme ça. Ok. Il me disait que vous avez tous des pantalons en fait qui étaient adaptés plus ou moins au style de métier. C'est-à-dire, je suis électricien, il y a un type de pantalon, je suis maçon, il y a un type de pantalon, je suis plaquiste, il y a un type de pantalon. À peu près comme ça. Il y a beaucoup de couleurs, il y a des matières. Ouais. Là, on est en polyester coton, ça s'adapte très bien aux électriciens, à tous les gens aussi, aux carreleurs qui travaillent en milieu humide, parce que le polyester sèche vite. J'allais te dire, en fait, il prend l'eau ou quoi là? Bah justement, le polyester sèche vite. Ouais. Le 100% coton, comme c'est hydrophile de coton, ça va garder l'eau. Et au niveau de transpiration dedans, on n'est pas trop du coup... Après, c'est une question de tissage. Donc là, le tissage, il est aéré. Il est à la fois serré pour la robustesse et suffisamment aéré. Tu vois là, ces stries là, comme ça. Ouais. Ah oui, bon, ça, c'est de l'aération. Okay. C'est comme sur ton jean, en fait. Hein. Okay. Sauf que ton jean, lui, est en coton. Quand il prend la flotte, il met 2 jours à sécher. Non, sur moi, ça sèche pas immédiatement. Hein. Je suis une réponse. Et là, attends, vas-y, on monte la gamme, putain. Par contre, où est-ce qu'on les achète? En général, c'est dans des boutiques officielles ou c'est plus... Alors pour trouver un revendeur, c'est assez simple. Tu vas sur notre site internet, on tape www.blackleader.fr. Et après, vous avez des vendeurs. Et après, tu trouves, t'as un onglet trouver un revendeur. Ouais, mais si on tape Black Leader et prix, et puis on va tomber sur des revendeurs automatiquement. On peut aussi retrouver sur des revendeurs sur internet aussi. Ok. Et les gammes de prix, par contre, vous vous situez bien ou quoi? Exactement. Bah, on se situe, pour tout ce qu'on donne là, de ce qu'on vient de voir, on se situe entre 40 et 150 euros. 40 et 150 euros le pantalon. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont des genres d'innovation par rapport à un métier, un truc que les autres font pas? Parce qu'en dehors, c'est vrai que là, je vois qu'il est plutôt bien pensé. Je me dis, tu vois, certaines marques, des fois, ils ont le petit truc qui fait la différence. Le côté look. Il est bien le look de celui-là, on pourrait le porter. Pour aller tous les jours en dehors des poches. Ah ouais, elles sont détachables en plus, les poches là. Exactement. Ça, c'est cool ça. Alors là, tu vois, ça, c'est notre dernier nez. Il est sympa, hein, je le porte très bien dans la vie tous les jours, moi. Exactement, mais c'est ce qui va peut-être t'arriver. Donc, ça, c'est ce qu'on voit tous les jours. Donc là, t'as une poche qui est beaucoup plus grande. Ouais, vas-y, regarde. Tu vois, là maintenant, regarde, d'habitude, on a une poche. Là, on a carrément un sac parce qu'on a doublé la poche. Elle est toujours aussi grande. Souvent, il est arrivé des clients qui nous disent: ah, mais bon, tes poches, je les mets dedans. Et bien là, maintenant, il ne les mettra plus dedans. Il va avoir la possibilité de détacher les poches pour quand il est à genoux. Ouais. Et quand il est debout et qu'il n'a pas envie que les poches se baladent, il va pouvoir les serrer. Là, tu vas pouvoir, tu sais, toute ta poche qui est devant, ouais, et bien elle va être ici. Il y a un sacré. Le passage des hanches, c'est par. Non, ça, c'est c'est pour poser la boucle porte-marteau. Donc, okay. Tu vas mettre ta boucle porte-marteau ici. Si t'es droitier, tu vas la mettre là. Si t'es gaucher, tu vas la mettre ici. Ok, donc ça, c'est un pantalon dédié par exemple à... Tout corps du bâtiment. Parce que là, effectivement, on est plus dans le style. Ouais, puis là, avec les boutons et tout, on voit bien que là, ça a été plus étudié pour le look. Quoi. Là, on est sur le style, on est jeune. Et tu vas t'apercevoir, quand tu regardes, moi je le porte là maintenant. En plus, c'est celui que tu portes, oui. Tu vois là, on est serré aujourd'hui, on est en slim. Okay. Donc là, c'est vraiment le premier pantalon slim pour les artisans du marché. Ok. Ok. Donc là, tu vois, j'ai mes poches ici. Et en dehors des pantalons, vous faites les t-shirts, tu vois, de boulot. Vous faites quoi? La gamme, c'est quoi chez Black Leader? C'est alors, tout ce qui concerne les vêtements du travail. Vêtements de travail, tout corps de métier. Ouais. Mais bâtiment ou les gens qui font aussi, je sais pas moi, ils sont médecins, ils travaillent dans les cuistots. Tous les gens qui travaillent dur, sauf les métiers de bouche. Sauf les métiers de bouche, pourquoi? Parce qu'ils travaillent pas dur ceux-là. Non, ils travaillent dur. Je rigole. Là, j'étais titillé là. ils travaillent dur justement. Ouais. Tous les gens qui travaillent dur, spécial. Sauf les métiers de bouche. Ouais. Pour le moment, mais ce qui se passe, c'est qu'on travaille avec la construction, l'industrie et le transport. Ouais. Hey, ils sont sympas quand même les fringues là-bas. Franchement, regarde, d'ici tu dois le voir, là. C'est un peu looké là les suites là. Enfin, moi j'aime bien, vu ce que je porte au boulot en général, t'as bien remarqué mes t-shirts pourris, c'est pas mal. Ouais, je parle tout seul en attendant, moi. Hein? Ça se passe bien, les kids? Elle vous plaît cette vidéo? J'en ferai pas 36 des vidéos sur les fringues, tu vois, mais bon, là, le stand elle a l'air sympa, donc t'en fais profiter. Christian. Double XL, ça te va? Double XL, c'est par rapport à ma carrure ou par rapport à mon bide? Par rapport aux épaules. Ah, c'est gentil, t'es gentil avec moi, toi. Sinon, j'ai un XL, hein.
Eh, ça le fait là. J'ai... Est-ce que j'ai l'air semi beau gosse? Alors semi, hein. Ah, c'est sympa les lettres là. C'est pour le style. Ah, d'accord, la marque est imprimée et tout, les gars. La marque est imprimée là, et quand tu vas fermer jusqu'au bout, tu vas avoir un petit passepoil. Voilà. Et lui, il a voulu tester, c'est ça? J'ai pas filmé, merde. Il s'est accroché au jean, il est tombé. Il y en a pas l'autre qui veut tomber? Bon, ben le jean a pas craqué, mais la personne, oui. Oh, t'aurais vu. Non, je le montre pas, sinon il y aura trop la honte. Ok. Donc voilà. Ça passe pas? Ouais, c'est légèrement trop large. Tu vois, ah bah t'as trop cru en ma musculature. Ah, j'ai trop cru en ta épaule. Ouais. Ah, ouais. C'est parce que j'ai perdu du poids, c'est pour ça. Ah. Tiens. Eric, oui. Notre ami maçon ne comprend pas que les cultures soient garanties à vivre. Ah, ça, ils font des démos, les gars. On vient de tirer à la corde. T'as pas une épée? Vas-y, vas-y. Ah, ça, c'est du test. Eh, mais ils sont motivés, là, chez vous, les gars. Je vais encore gagner. Et vainqueur. J'ai bien fait m'arrêter à ce stand, moi, je dis. Hein. Hein. Eh, ils sont motivés dès le matin, les gars, là. Hein. Carrément. Et ils recommencent, en plus. Je crois qu'en fait c'est un jeu là. Il y a des... Ah voilà, tu vois, ça c'est plus ma taille. Voilà. Donc là tu vois. Sympa les gars, sympa ou pas? Ah, c'est sympa. Vous virez tout votre rire. Ok. Non, c'est sympa, hein, apporter la matière est bien et tout. C'est respirant le truc là. Qu'est-ce qu'on fait, c'est Artico? Ils vont me l'offrir en partant, je sens, tu sais. Hop. Ah ouais, je t'ai dit, j'ai mal au bras, alors j'ai un peu de mal à m'extraire. Non mais ils sont franchement sympas, c'est looké, c'est stylé et puis c'est adapté. Voilà. Ouais, matière pour la résistance. Ah ouais, ouais, c'est stylé et puis c'est quand même bien étudié. Ok, pareil, ceux-là c'est renforcé, c'est tout ça. Alors là, tu vois, t'as un renfort qui va être imperméable à respirant. Ouais. Et là, le reste, ce sera le tricot qui sera lui, juste respirant. Poche intérieure. Poche intérieure, poche extérieure, poche Napoléon. Ah ouais. Ok, c'est bien, sympa. Ça, on peut y mettre le portable, les petits trucs discrets à l'intérieur pour pas se les faire tirer. Et en même temps, on les clés de voiture. Et ouais, si jamais j'ai des vis, tout ça dans la poche. Ah justement. Non. Les vis, c'est dans la poche du pantalon. Ok. Ok, et ça, ce genre de suite, tu les trouves dans des gammes de prix. Là, tu vois, on en a à 77 là, que j'ai dans les mains. Ouais. Et sinon, sans la capuche, on est à 70. Non. Ouais. Ouais, c'est quand même. Ouais, bah, c'est du vêtement de travail, quoi. Mais pour ça, c'est légèrement plus cher. Mais par contre, c'est sympa, quoi. Ok. Donc, on a parlé des vendeurs, c'est sur internet. Du fringue, des machins, des pantalons de spécificité. Du tout Sequenti. Écoute, est-ce que tu as un mot à rajouter pour la fin? Bah, salut les gars, bravo, continue avec Pascal. Voilà, on dit à tout suite. À tout suite. Allez, à tout suite. Bah ouais, regarde. Donc, rappelle-moi ton prénom. Sophie. Sophie, et tu travailles dans une entreprise? J'ai une entreprise SPG Décoration. Voilà, une abonnée SPG Décoration. Je laisserai un lien en dessous de la vidéo, les gars. Allez, on va voir à faire un tour.